Tout le monde a peur parce que c'est le coronavirus, ils pensent que c'est foutu, on va pas s'en sortir. Bah toi, tu penses autrement. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ça fait toujours plaisir. On va voir ensemble comment savoir si on est dans la bonne direction. Ok, parce que des fois on peut se dire oh, ok, mais je sais pas si je suis dans la bonne direction et tout. Donc on va voir ça ensemble. Après avoir vu cette vidéo, tu sauras exactement ben, si jamais tu es dans la bonne direction ou pas pour pouvoir atteindre tes objectifs. Donc je m'appelle Jonathan Hachin. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. Moi je suis parti de zéro, j'ai grandi à Évry dans le 91 au quartier des Pyramides. J'ai redoublé mon BEP et pourtant j'ai réussi à créer mon business en ligne qui m'a permis de générer 2000 euros par mois en moyenne et pouvoir voyager où je veux, quand je veux. Donc si j'ai réussi à le faire, tu peux aussi le faire. Donc, qu'est-ce que je fais dans la vie? Parce que des fois, on me demande ça, donc je vais le dire à chaque fois. Qu'est-ce que je fais dans la vie? J'accompagne les gens à travers mon accompagnement Success Online 2.0. T'entends pas ou quoi? Eh ben, je te permets de créer ton business en ligne, donc je te coach directement. C'est pas quelqu'un d'autre qui te coach, c'est moi qui te coach. Je te coach directement pour que tu puisses créer ton business en ligne, d'accord? En partant de zéro. Que tu n'aies pas d'idée business, que tu en aies ou pas. Ok? Et jusqu'à ce que tu puisses être indépendant financièrement, être libre géographiquement, voyager où tu veux, quand tu veux. Ok? Donc maintenant que la step promo a été fait, passons directement au sujet de la vidéo. Alors comment savoir si jamais tu es dans la bonne direction? Ben, je vais te donner un truc qui va te permettre de savoir direct que tu es dans la bonne direction. C'est simple et net. C'est de faire l'opposé de ce que tout le monde fait. Ça, c'est la base. Il faut absolument que tu fasses l'opposé de ce que tout le monde fait. Ok, donc je vais donner quelques exemples pour que tu puisses savoir un petit peu de quoi je parle. Par exemple, si tu regardes bien, tout le monde veut devenir employé. C'est normal. Je veux dire, c'est la normalité d'être employé, par exemple. Ben, toi, tu fais l'opposé, donc tu essaies d'être entrepreneur. Tu n'essaies pas, tu es entrepreneur. Ok, si tu veux devenir riche, si jamais tu veux être successful, être à l'aise, il va falloir faire différemment de la masse puisque la masse est pauvre. La plupart des gens sont pauvres. Donc, du coup, ils sont tous employés. Donc, toi, ce que tu vas faire, c'est tout simplement, tu vas être entrepreneur. Par exemple, tout le monde regarde Netflix toute la journée. Tous les soirs, ils saignent. Dès que c'est le week-end, ils saignent des Netflix et des concours à savoir qui est-ce qui a saigné le plus de qui est-ce qui a fini les saisons en premier. Ok, ben toi tu fais l'inverse, tu vas lire des livres toute la journée et sur le business évidemment, et tu vas lire des livres tout le week-end aussi. Et ça peut marcher aussi dans la bourse, par exemple tout le monde achète des actions, ben toi tu les vends. Par exemple, bon, je ne suis pas spécialiste de la bourse, mais juste pour te dire, ça va même jusque là. Tout le monde a peur parce que c'est le coronavirus, ils pensent que c'est foutu, on ne va pas s'en sortir. Ben toi, tu penses autrement. Tu te dis, ok, si jamais tout le monde panique, c'est que peut-être qu'il faut que je garde mon calme et que j'essaie de saisir l'opportunité. Peut-être que c'est le moment d'ouvrir mon business en ligne. Parce que j'ai entendu dire que Jeff Bezos, grâce ou à cause du coronavirus, comme tu veux, son entreprise s'est valorisée, donc c'est Amazon, s'est valorisée à 1 trilliard point. 1.1 trilliard. Je ne savais même pas que ce chiffre existait. Donc, je te laisse faire tes déductions. Aujourd'hui, ceux qui ont un business en ligne, si jamais, quand tu regardes cette vidéo, on est toujours dans la période de coronavirus, ceux qui ont un business en ligne, ils ont gagné. Et la plupart des entreprises font tout pour basculer leur activité dans le digital. Donc, il y aura un avant et un après coronavirus. Toutes les entreprises vont se digitaliser parce que tu imagines bien que le coronavirus, s'il y en a une fois, il y en aura un autre. Hein. Donc, ce sera toujours comme ça. Donc, les êtres humains prennent le son. D'accord? Donc, ils vont tout faire pour pouvoir se digitaliser forcément un maximum leur activité. Par exemple, tout le monde mange des fast-food. Tout le monde mange des fast-food. Bah, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bah, tu vas créer, tu vas faire ton repas pour pouvoir manger sainement, tout simplement. Toujours faire l'inverse de ce qu'ils font. Par exemple, tout le monde a la flemme d'aller à la salle de sport. Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, toi, tu vas aller directement à la salle de sport. Tu vas faire exactement l'inverse que ce que tout le monde est en train de faire, en fait. Tout simplement, toujours dans le... C'est basique, tu vois, et ça marche à chaque fois. Par exemple, tout le monde dit que, imaginons, bon, c'est pas tout le monde qui dit ça, mais il y en a, la plupart des gens, par exemple, pensent que surtout quand je fais des pubs, par exemple, sur les réseaux, ils pensent que créer son business en ligne, par exemple, c'est une arnaque, par exemple. Bah toi, qu'est-ce que tu vas te dire? Tiens, c'est bizarre, si tout le monde dit que c'est une arnaque, c'est que peut-être c'est intéressant. Donc du coup, toi, tu vas créer ton business en ligne. Voilà, donc c'est toujours, tu vois, je peux te donner des exemples pour te montrer qu'il faut vraiment faire à chaque fois l'inverse de ce que tout le monde fait à chaque fois. Donc, en gros, n'écoute jamais ce que les gens disent autour de toi parce que de toute façon, pourquoi tu veux prendre des conseils de ta tante ou de ton oncle qui n'ont pas les résultats que toi, tu veux atteindre? Tu vois, et ça fonctionne pour tout. Tu vois, des fois, il y a des gens, je sais pas, ils prennent des conseils, ils acceptent des conseils de personnes, par exemple, qui n'ont jamais perdu du poids de leur vie, leur donner des conseils pour perdre du poids. Ben non, c'est pareil pour l'argent. Tu vois, même si ta maman, elle est gentille, ton oncle est gentil, tout ce que tu veux, il est bon dans certaines choses, est-ce qu'il a les résultats que tu veux? S'il n'a pas les résultats que tu veux, il ne peut pas te conseiller. Tout simplement. Ou s'il n'a pas aidé des gens à avoir des résultats que tu veux, il ne peut pas te conseiller.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es un rageux. Si jamais tu regardes cette vidéo, c'est que tu es sûrement intéressé pour créer ton business en ligne, que tu as compris que c'était maintenant ou jamais de le créer parce qu'il va avoir énormément d'opportunités grâce à cette crise que l'on vit actuellement. Donc tu es libre de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires et accéder à cette formation offerte qui est d'une valeur de 200 €. Donc il y a tout dedans, que tu connaisses rien à internet ou que tu connaisses rien, t'as pas d'idée business par exemple, je te partage tout dans cette formation offerte, tu as juste à consommer et passer à l'action. Si maintenant tu es coach, expert, consultant, le mieux pour toi c'est de cliquer sur le lien qui est juste en dessous pour accéder à la masterclass où je te montre exactement comment mes coachés ont fait pour atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement. Donc je te partage exactement les stratégies, je suis transparent avec toi et tu n'auras plus qu'à les mettre en application pour toi. Donc alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je sais que certaines personnes vont appliquer eux-mêmes les stratégies par eux-mêmes, voilà. Et il y en a aussi qui voudront que je les accompagne à appliquer ces stratégies pour leur permettre d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement parce que tu imagines bien que quand tu te fais accompagner, tu vas toujours plus vite. C'est logique, tu vois. Pour ça, je pense que tu le sais déjà. Donc voililà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es un rageux, à me laisser un petit commentaire. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous.